Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous remontrer la meilleure recette de fluffy slime sans colle et sans borax, tout simplement parce que vous êtes très nombreux à me demander ce genre de recette en commentaire. Donc la recette est ultra simple et elle n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, il nous faut seulement de la mousse à raser, de l'eau tiède, donc moi j'ai déjà fait chauffer mon eau, et de la pâte à modeler rebondissante. À la place de l'eau, vous pouvez très bien mettre du shampoing, du gel douche, du lait pour le corps. Ça fonctionne très bien également, mais c'est vrai que le résultat est quand même mieux avec de l'eau. En tous les cas, moi personnellement, je préfère comme ça. Donc, je viens ajouter ma pâte à modeler à mon eau, une bonne quantité. Donc la pâte à modeler rebondissante, ça s'étire déjà très très bien, mais vous allez voir que le résultat du fluffy slime est juste top. Une fois que c'est fait, je viens mélanger l'eau et la pâte à modeler jusqu'à obtenir de quelque chose mi-liquide, mi-solide. Donc là par contre, il faut vraiment beaucoup de patience. Il faut compter 10 bonnes minutes pour mélanger ça comme il faut. Donc moi souvent, je commence par mélanger comme ça. Et ensuite, je viens malaxer avec tout simplement ma main. Je fais ça avec de l'eau tiède parce que ça permet que la pâte à modeler se dissoute plus vite. Vous pouvez très bien le faire avec de l'eau froide hein, si vous n'avez pas le moyen de faire chauffer votre eau. Ça fonctionne aussi très bien, mais tout simplement moins vite. Voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Il y a plein de petits grumeaux, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On ne peut pas mélanger mieux que ça. Après, c'est peut-être un petit peu trop liquide. Si vous mettez un petit peu moins d'eau, ce sera beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à mettre moins d'eau que moi, tout simplement. Et une fois que c'est fait, normalement, vous ajoutez votre mousse à raser. Donc il faut en ajouter jusqu'à ce que votre slime soit bien formé. Forcément, ça dépend de la quantité d'eau. Moi, ça va être plutôt long, je pense. Mais ça commence déjà, donc c'est plutôt pas mal. Regardez, ça commence à s'épaissir. Je continue cette étape jusqu'à l'obtention de mon slime. Commence à être vraiment pas mal et je pense que vous voyez à la caméra que la texture a l'air juste top. C'est vrai que c'est mon slime sans colle préféré. Donc quand j'ai vu votre commentaire revenir plein de fois, je me suis dit qu'il fallait que je la repartage car franchement c'est une recette ultra simple avec des ingrédients faciles à trouver. Donc la pâte à modeler chez Action, la mousse à raser, il faut vraiment que ce soit de la mousse à raser et non pas de la mousse pour les cheveux ou de la mousse de bain pour le corps, tout ça, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment de la mousse à raser. Et bien sûr de l'eau, hein. Tout le monde a de l'eau je pense quand même. Donc voilà. Allez, il manque encore un petit peu de mousse à raser, autrement ça va être trop collant, je pense. Donc là, je vais le travailler à la main. Donc ça va coller un petit peu au doigt, mais normalement ça devrait aller.
J'ai vraiment mis beaucoup d'eau quand même. Mais au final, le slime est plutôt pas mal. Vous voyez bien que j'ai pas eu besoin de le travailler très longtemps à la main. Si vous mettez assez de mousse à raser, il n'y a pas de souci. Waouh, j'aime trop, trop, trop la texture. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et également aussi si vous l'avez déjà testé cette recette. Si vous ne l'avez pas testé et que vous avez les ingrédients, franchement, faites-le. Vous avez bien vu que j'ai pas mis beaucoup de pâte à modeler et on a obtenu un grand slime quand même. Et en plus, ça lui donne un petit côté perle avec la mousse à raser au niveau de la couleur. J'aime beaucoup. C'est vraiment the meilleure recette de slime sans colle et sans borax. Cette recette de slime, je l'avais testée par hasard après avoir vu une vidéo sur YouTube et je pensais que c'était fake. Je l'ai testée en vidéo et j'avais été très surprise du résultat. Je pourrais m'amuser des heures avec ce slime. Vous obtenez quelque chose de fluffy, d'ultra léger, qui s'étire super bien, de tout doux. Et c'est un vrai slime. Donc voilà, la recette de slime est terminée. C'est vraiment la meilleure des meilleures, hein. Franchement, je le répète. Mais c'est vrai, je pense que vous vous en rendez compte. Elle est vraiment sans colle et sans borax en plus. Donc c'est juste top et avec des ingrédients ultra simples. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!